Bonjour tout le monde! N'oubliez pas de vous abonner! Donc, pour commencer, vous allez appliquer votre fond de teint Maybelline Dream Liquid Mousse partout sur votre visage à l'aide de votre pinceau. Vous allez tapoter partout, y compris le cou, pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, dans le fond, pour les yeux, malheureusement, ça l'a coupé, mais j'ai appliqué un fard à paupières mat brun sur la paupière, dans le fond, dans le creux de l'œil supérieur et inférieur. Par la suite, avec ma poudre de Coverfix 050, à l'aide d'un pinceau, je vais faire le contour de mon visage pour donner un effet plus bronzé et pour creuser mes joues un petit peu plus en profondeur. Ensuite, avec mon blush de Dior, le numéro 849, je suis venue chercher, dans le fond, je l'ai appliqué avec mon pinceau de BH Cosmetics partout sur mes pommettes. C'est un rose qui a légèrement du mauve dedans, vraiment pour venir chercher le look à Kylie Jenner, parce que c'est pas très rose Barbie, mais c'est comme ça fait un effet un petit peu naturel. Ensuite, on va matifier le tout avec une poudre libre. Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est de Estée Lauder. Le numéro exact, je sais pas, mais il est translucide, donc transparent. Et je suis venue d'en appliquer directement sur mon cache-cendre pour ne pas que ça fasse des petits plis à la fin de la soirée. Ensuite, pour mon eyeliner, j'ai utilisé mon eyeliner en crème de Essence que vous pouvez trouver chez Pharmaprix seulement. Donc, la façon dont je vais l'appliquer aujourd'hui, c'est seulement à partir de la moitié de mon œil et on va l'étirer légèrement vers l'extérieur. Ensuite, pour les lèvres, le crayon que je vais utiliser, c'est de la marque Essence, encore une fois, le Soft Berry 05. Et pour faire ces fameuses lèvres de Kylie Jenner, donc je suis venue chercher un crayon qui a légèrement du mauve dedans, mais qui vire vers le brun en même temps. Donc, j'en ai appliqué légèrement sur le contour en le dépassant un petit peu pour faire les lèvres plus pulpeuses. Et ensuite, avec un rouge à lèvres qui a un ton assez similaire de la marque Essence également, vous allez l'appliquer partout sur vos lèvres. Et assurez-vous que votre rouge à lèvres est mat parce que c'est l'effet qu'elle recherche tout le temps dans ses rouges à lèvres. Donc, voici le petit look terminé. C'était ta vidéo très rapide. J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Mouah! À la prochaine!